Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour un nouvel épisode de Mass Effect Andromeda. Nous sommes dans une zone étrange où il me demande de changer de... D'accord. Je reprends un shotgun. Donc plus de munitions et plus de dégâts au corps à corps avec une crosse. Effectivement, ça lui rajoute littéralement une crosse au bout. Ok, ça m'intéresse. Non, non, c'est pas possible. Toute cette fanfare pour une pièce déserte? Il doit y avoir quelque chose de caché, j'en suis sûr. Faites votre truc de pionnier. Hein? Là, je vais faire un caca de pionnier si tu veux. Ça sent l'ascenseur d'un boss, ça, non? Regardez pas au bon endroit. Bien joué. Ce n'était pas moi. J'ai rien fait du tout. Ça descend loin. Je n'en vois même pas le bout. Donc, faut qu'on fouille tout ça, selon vous, chers amis, en tout cas. Ouais, faut qu'on fouille tout ça. Vous voyez qu'on a un secret qui rapporte beaucoup de choses en début de partie. Oh non, gravitationnel plutôt. Mais t'es bête, Phoebe. C'était pas la porte d'entrée. La voilà, la vraie. Non. Qu'est-ce que vous... Allez, suivez-moi, pionnier. Non. Hey. Quoi? J'ai pas appuyé sur le bouton? Moi, je voulais fouiller le haut. Fonctionne comme un puits de gravité. D'accord. Ça nous mène. Laissez-vous porter vers l'inconnu, Ryder. Non, mais ça me dérange pas, mais j'aurais bien aimé avoir le choix avant. On dirait un bunker ou un caveau. Ouais, plus un caveau qu'un bunker, appelez honnêtement. Ça comme vous voulez. En tout cas, les commandes du processeur d'atmosphère doivent être là. Dac. Vérifions ça. Alors, déjà, avant tout, carte. C'est pas bien grand. C'est sur deux étages par contre. Faire attention aux étages. Laissez rien de côté. Objet relique. Je cherche, mais ça vaut le coup de l'enregistrer. Ne touchez pas n'importe quoi. Il y a peut-être des pièges. J'en détecte aucun. J'ai fait la même erreur une fois. Vous avez quelque chose? L'élément zéro est omniprésent dans ces appareils. Vous imaginez la technologie qu'il faut avoir pour faire ça? M'emballe un petit peu les couilles de là, la technologie là. Bon bah non, bah alors on y va alors. Je crois que ce puits de gravité marche aussi à l'envers. On a une sortie. Ce qui veut dire que j'aurais pu remonter. Non, pas avant d'avoir trouvé les commandes du processeur. Puissance au minimum. Je pense pas que ça ait déclenché le processeur d'atmosphère, mais... Un conduit dans le sol vient de s'activer. Il achemine un fluide. Il pourrait s'agir d'une alimentation d'urgence. Votre scanner pourra vous en apprendre plus. Aucune trace d'Eckert. Peut-être qu'ils ne peuvent pas entrer dans ce caveau. Mais vous aussi, ça va attirer leur attention. J'en ai de la chance. Question. On n'est pas au niveau 2, d'accord. Je vois le conduit, Sam. Je sais pas ce que c'est, mais il sort de cette salle. Est-ce que le niveau 2, c'est là-haut ou pas? Mon nom. Ça, c'est intéressant. Message déchiffré. Accès soumis à lecture. Cette console est liée à des équipements à la surface. Donc elle contrôle sûrement le processeur d'atmosphère. Pas de glyphes. Ça a l'air hors service. Ou verrouillé, comme presque tout ici. Le conduit va jusqu'à cette console et continue plus loin dans le caveau. Donc si on le suit, on trouvera peut-être les commandes de déverrouillage. Ces blocs de données, comme vous dites, ils sont incroyables. Si j'ai vu juste, chacun peut contenir des centaines de zettabytes. Des espèces entières s'en sortent très bien avec moins que ça. Corruption mineure détectée. Le schéma semble indiquer la présence de données importantes, mais elles ne sont pas accessibles. Intriguant tout ça. Il y a l'impression qu'il y a une espèce de conflit. Tiens. C'est nouveau ça. Touche pas. Touche pas. Touche pas.
Putain, touche pas! C'est quoi ça? Un symbole d'autorité ou peut-être une clé? Difficile à dire avec les reliquats. On manque d'informations. Je vais voir ce que je trouve comme info sur cette beauté. Peut-être par là. Mais ce qui maintient tout verrouillé se trouve de l'autre côté. Je travaille mieux seul. Vous remettez le caveau en marche, je m'occupe de cette relique et à nous deux, on en saura plus sur cet endroit. Dac. Bien vu. On couvrira deux fois plus de terrain. Ouais, je t'es parti. Bien que vous étiez futé. Merci. Je suis sur la fréquence 145.8. Faites attention. Elle ne court pas un trop grand danger si tout est éteint? Tant que tout reste éteint. Puits de gravité, scellé. On passera pas. En fait, un puits de gravité est un champ gravitationnel entourant un corps massif dans l'espace. Ceci serait plutôt un puits à pesanteur. What? Note-le pour notre ami Asari. Et pourquoi on voudrait essayer d'expliquer tout ça? Regardez-moi ça. Aucun passage apparent, pas d'interface. Sam, note-moi ça pour plus tard. D'accord. 1-2, 1-2, c'est... Oui, bon, vous savez déjà qui c'est. On vous reçoit, Pibi. Gardez le contact. Oh, le doublage. Il fait mal, hein. Franchement, j'ai mal, hein. Elle a l'air de savoir se débrouiller. Mais arrête de chercher la petite bête avec elle, t'as rien fait. Ok, suite. Ils ont creusé ce caveau directement dans la roche. Regardez le plafond. Ces trucs en étoile doivent servir à le soutenir. Qu'est-ce que c'est? Tu diras un bouclier. Ça pourrait nous servir. Je vois pas pourquoi ça te servirait. C'est quoi ce liquide? Classification impossible. La seule façon de passer, c'est de descendre dans sa direction. Alliage inconnu et matériaux divers. Ferrofluide. Composition similaire à celle de l'omnigène. C'est peut-être le fluide qui passe dans le conduit. Ça ressemble à un bras mécanisé. Ça tiens. Pas. C'est industriel. Une partie de la structure, peut-être? Tiens, tiens, tiens. Ok. Ok, ok, ok. Porte ouverte. On dirait un espace de stockage. Putain. Wow. Pas le temps de fabriquer quoi que ce soit là pour le coup. Ouvrir, graphite, 8, ok. Dépouille. Composant reconstitué, dac. Dac, dac, dac. On a passé tout ce temps sur Eos sans savoir que c'était juste sous nos pieds. Tout ce temps, on parle pour toi. Hein. Assembleur inactif, ce qui. Ah, on m'appelle. On m'appelle, on m'appelle, on m'appelle. Un instant, je reviens. Il leur en faut tout un actuc. Plutôt deux au moins. Je viens d'en traverser un autre. Les reliquats. Attention, ne tombez pas dans ce liquide. Vos boucliers résisteront pas. Et je sais de quoi je parle. Ah, faites gaffe, ça brûle.
Abritez-vous derrière les piliers! Excusez-moi, chers amis, je parle dans le vide depuis tout à l'heure. Oui, donc je disais, j'ai l'impression d'avoir loupé le niveau 2. J'ai l'impression d'avoir loupé le niveau 2 et ça m'emmerde. J'ai toujours l'impression que quelqu'un nous observe. Concentrons-nous. On pourra s'inquiéter une fois qu'on aura trouvé les commandes de déverrouillage. Bon, on va aller voir le truc. Rengaine. Excusez-moi pour le micro. Moi, je m'en suis rendu compte cette fois-ci, c'est cool. C'est déjà ça de prix, comme on dit. Là, j'ai juste vraiment... Ok. Vraiment des inquiétudes compte tenu du fait que vous m'avez donné des conseils et je voudrais pas envie de. J'aurais pas envie de les foirer. C'est un processeur d'atmosphère. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'aurais vraiment pas envie de me foirer. Porte. Conteneur. Ok. Encore un aqueduc. Ce liquide est partout. S'il est vraiment semblable à l'omnigel, ce fluide pourrait bien être ce qui alimente tout cet endroit. Qu'est-ce que c'est que ces pyramides? Elles doivent être immenses. On a ta compagnie! D'autres reliquats! Crac! Attention sur les bords! Compris! La tête, je sais pas mieux. Il y a des saletés qui volent là. Maintenez la pression, on y est presque. Ok. C'est pas mon arme favorite, hein. Ah, si, il y en a un deuxième à côté, j'avais pas vu. Pour ton bouclier. Ok, c'est bon. Paf. Pif, paf, pouf. Tout se passe plutôt bien. La seule chose qui me manque... Certaines choses fonctionnent, et d'autres pas. Il doit s'agir d'une assistance à la réactivation manuelle du caveau, ou bien de l'heure pour les intrus. Génial. Dépouille, filament à RF. J'espère que je vais pas louper le truc. Ça se trouve, je l'ai loupé. Vous m'avez gueulé dessus dans les coms. Et comme c'est une session un peu plus longue.
Dak. Bah écoute, bonne chance. Attendez, ça monte là. Ah ah! Serait-ce le fameux niveau 2? Il faudrait des années pour creuser une cavité de cette taille. Ah ah! Et de bonnes raisons de construire une structure pareille. Ah non, ça c'est juste un conteneur. Un gros conteneur, cela dit. Circuit de classification, polymère relica, semi-conducteur universel, foliole avec... D'accord. L'application de la carte. Parce que je suis... J'ai pas envie de louper tout le niveau. Oh là 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 là. Ou alors le niveau 2 c'est juste l'étage de base et on pourrait retourner au tout début. Il m'avait dit que de toute façon... On m'a dit que si je loupe ce truc là, je pourrais pas y revenir. Donc comme ça ce sera clair. C'est une façon comme une autre d'éclairer. Oui, effectivement, je confirme. Hein. On n'a pas eu à faire tout ça pour le processeur d'atmosphère précédent. Mon père s'est connecté dessus directement. Ouais. On va éviter. Une intervention directe s'est à ce moment avérée nécessaire, mais très imprudente. Bon, ça éclaire pas des masses, cela dit, hein, je veux pas dire, mais... J'espère que j'ai pas loupé une porte. Wow. Regardez la taille que ça fait. C'est peut-être un autre puits de gravité. Merde, le puits est scellé. On pourrait utiliser le conduit d'animaux d'urgence, comme la fois d'avant. Mieux vaut prévenir que guérir. Rabattez-les. Pas mort. J'aurais dû prendre. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Elle est verrouillée contre les ennemis. Aïe. Connerie, Marcus. Connerie, Marcus. Voilà. J'ai été aussi sec que... Comment focus par l'ennemi, c'était intéressant à regarder d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, donc le shotgun n'est pas plus efficace. Finalement, la seule chose qui soit efficace, c'est le fusil d'assaut, pardon. C'est peut-être un autre puits de gravité. Allez, on y va. Le puits est scellé. On pourrait utiliser le conduit d'alimentation d'urgence, comme la fois d'avant. Mieux vaut prévenir que guérir. Abattez-les. Wow. Y'a un truc qui m'a fait masse dégâts d'un seul coup là. Ce puits ne va pas s'ouvrir sous nos pieds, hein. Normalement, non. Concentrez-vous sur les reliquats. Ok. Tourelle. Assembleur. Tourelle. Apparemment, c'est la tourelle qui me fait masse dégâts. Balèze, hein. Cage. Fâche. Mon bouclier. Oh, elle a pas l'air. C'est la tourelle qui me fait masse dégâts. Ce sont des combats qui peuvent durer éternellement parce qu'en fait on laisse les saloperies refaire des robots. Vache. D'accord, j'ai compris comment tu t'utilises et comment tu fais des dégâts. Maintenant, tu vas me donner ton bouclier. Voilà. Est-ce qu'elle est morte? Toujours pas. Là, elle est morte. Ok, il en reste plus qu'un. Ah la pouffe. C'est bon. Je me demande si je verrai quelque chose au scanner. Le conduit se divise pour traverser ces appareils. En les connectant, nous pourrions peut-être terminer le circuit et ouvrir le puits. Ça nous permet d'atteindre les commandes de déverrouillage, ça vaut la peine d'essayer. Certes. Bon, il faut
qu'on utilise ces deux consoles pour fermer le circuit. Ok, ça va être quoi? Ça va être encore un... dire, ça va être encore un puzzle, mais apparemment non. Un puzzle. Cet appareil semble être de nature défensive. Alimentation rétablie dans le puits de gravité. Le conduit mène en bas. La pression du fluide du conduit est variable. Activité possible en dessous. Eh bien, allons plus bas. T'es sérieux là? Parce que moi je croyais qu'il y avait rien plus bas en fait. Attendez. Presque pas de poussière. De quand date cet endroit? Je l'ignore. Ça c'est pas faux. Le taux de radiation indique que le caveau est désactivé depuis plusieurs siècles. À peu près au même moment où le fléau est apparu. Ça peut pas être une coïncidence. Qu'est-ce que c'est que ça? Du coup je suis où maintenant? Ah bah, d'accord. Donc le niveau au-dessus est en fait le niveau le plus bas. Que cette technologie a été abandonnée. Donc, on fouille. Vu qu'on a bien fouillé le premier... Oh! Cryo Gantlet, une version modifiée d'un outil reliquat. Je gantelé autour d'un noyau de technologie reliquat et permet ensuite de congeler un adversaire en le submergeant partie... Oh, vache! Oh, la vache! Un gantelet, ou peut-être un outil. Quoi que ce soit, ça va plaire à nos scientifiques. Ça a l'air sympa. Apparemment c'est pas par là qu'il faut aller. Je vais fouiller, hein. Personnellement là je fouille, hein, chers amis, je suis désolé, mais là... Merde, il y a une fuite dans le conduit. Bon. Et juste au-dessus de la console. Vous allez vous... Ah oui, effectivement. Si vous essayez de vous en servir. Sans fluide, pas d'alimentation. Porte. C'est peut-être pour ça que les appareils d'en haut étaient éteints. Pas question de faire demi-tour. On doit bien pouvoir réparer cette fuite. Le mec il veut faire le plombier polonais, quoi. Ça y est. J'ai rien contre les pompiers polonais, hein, c'est juste sur le principe, hein, c'est... Tu veux pas grimper plus haut? Non? Bah écoute, tant pis pour ta gueule alors. Alors qu'est-ce qu'on m'a dit? Il y a une fuite dans le conduit! Ouais. Je suis quand même vachement loin, j'ai l'impression. Les observateurs utilisaient des fréquences laser. Putain, elle est là-bas, elle. Fréquence laser. Et donc? Je vais transmettre ces fréquences à votre entité. Peut-être qu'elles pourront réparer le conduit. D'accord. Et bien reçu. Je vais essayer. C'est parti. Le système réagit à ces fréquences. C'est juste du bricolage, mais ça devrait tenir. Bien joué. Si c'est bel et bien réparé, la console devrait fonctionner. Tac. Tu me fous à peine les boules, hein. Vraiment, il y a plein de choses à scanner dans le coin. Ouais, je m'en occupe. Wow. On dirait que ça a marché. Il y a même une passerelle. Vous assurez, Ryder? Vous allez où comme ça? On doit plus être bien loin des commandes de déverrouillage. Le premier arrivé récolte toute la gloire. On vous rejoint. Voyons si ça nous a ouvert une sortie. Ok. Pourquoi pas? Je suis assez sceptique pour le coup. C'est très intéressant, hein, mais... Regardez-moi ça. D'accord. Drôle de bruit, console reliquat, c'est parti. Il ne voulait pas qu'on traverse facilement, on dirait. Faites attention, ça fait toujours une sacrée chute. Sous terre, c'est étrange. Ni eau ni lumière, elles devraient toutes être mortes. Elles sont peut-être assez coriaces pour résister aux conditions de vie de cette planète. La source, il y a coriace et coriace. On aura peut-être plus d'informations. Nous en sommes proches. Donc, on est où? On est plus ou moins ici. C'est quand même violent. Hein. Je regarde ce qu'on m'indique, mais j'ai pas l'impression que je vais trouver grand chose finalement. Donc ça me dérange pas de... Alors j'espère que c'est pas juste que je...
que je cherche quelque chose pour rien en fait. Heureusement que le petit déjeuner était léger. Quoi, on volerait moins haut, c'est ça que t'es en train de dire? T'es en train de dire que je suis gros, c'est ça? On a ta compagnie. Ah bon? Putain, oui. Tu veux bien sortir l'armement et changer d'arme? Mal, hein. Ouais non, ça c'est un putain de truc à la con. C'est-à-dire que je vais regarder tout le temps par là et je vais oublier de passer par là-bas. Ça je connais le truc. Là c'est bon, les jeux vidéo comme ça j'ai donné, je sais ce que ça donne. Ouais, si tu le dis. Ouais. Il y a quelque chose par là. Je sais pas comment j'y vais, attendez, regardez la carte. Ok. Ok. La carte me dit, va te faire foutre. Ok. Ok. Par contre. Voilà. Ok. Ça marche très bien le gant, hein, je veux pas dire, mais c'est hyper méga efficace. Alors là, du coup, au niveau de la carte. D'accord. Ce qui veut dire qu'on a loupé une zone en fait. Donc attendez, je viens d'où? Je viens de là. On a loupé une zone. Compensation par système hydraulique. La zone, elle est par où? Elle est par là, normalement. Il n'y a pas de... C'est super méga loin, il y a... Attendez, j'ai peut-être loupé une... Pourquoi le jeu m'indique qu'il y a une zone ici? C'est quoi ce bordel? Pourquoi le jeu m'indique qu'il y a une zone ici vu qu'il n'y en a pas? Enfin, je veux dire, je vois bien la pièce là-bas. C'est là? Fallait que je descende là et que je saute là-bas? Putain, je venais de là! Je l'ai chié! Je crois que le jeu est en train de me dire que je viens de chier le truc là. Putain. Il y avait moyen de descendre ou c'était moi là? Ça me semble trop loin. Ça me semble encore trop loin. Oh putain, j'en sais rien. Si je l'inverse. Putain, je peux. Attendez. Faut que j'aille voir. Ah putain! Non! Là, il y avait un passage à droite. Il y avait forcément un passage ici. Ah non! Non! Me dis pas ça! Me dis pas que maintenant je suis baisé pour la suite du jeu! Il y avait un passage là-bas? Non, il n'y a pas de passage, hein. C'est pas un passage pour y aller. Hein. Non, allez! Je me dis que non. Je me dis que non, chers amis. Soyons fous. La carte, elle ressemble à rien. Bref, je me dis que non. Allez, soyons fous. Je me dis que non, c'était pas là.
Mais je croyais qu'il y avait un passage ici pour aller là-bas, mais en fait c'est trop long. Voilà, faut se le dire, mais on se dit que c'est trop long, comme ça on pourra encore réagir. Parce que là, si je bug là-dessus... Oups, ça glisse par ici. Ah, t'es tombé, t'es morte. T'es bien monté plus haut, s'il te plaît, merci. Voilà. Allez plus haut. Allez plus haut, wow, wow, wow. Ouais, d'accord, je peux pas y aller de là. De toute façon, on pouvait pas y aller de là-bas non plus. Mais comment je suis censé aller là-bas? Putain, y'a... Oula, y'a un gros truc intéressant là. Non, c'est un arbre. Je crois que c'était un mec qui était dans une espèce de statue à moitié à la Genova de FF7. Mais non, Marcus, calme-toi. T'excite pas, t'es complètement excité par l'endroit parce qu'on t'a dit un truc. Dépouille, dépouille. Nitro infuseur, ok. De toute façon, cet épisode durera 2000 ans, s'il doit durer 2000 ans, j'annonce. Ouvre. Ok, éclairage s'il vous plaît. Va bien se passer. Je n'aime pas ça, mais pas du tout. Vous voyez, pas le moindre problème. C'est vrai que c'est presque trop facile, je confirme. Et merde. Ah merde. C'est bon, tout va bien. Arrêtez de dire ça et sortons d'ici. Allez, je regarde parce que... Toute cette histoire m'emmerde. M'emmerde royalement. Falloir que je reparle à la personne parce qu'elle m'a envoyé un screen, mais j'ai pas l'impression que ce soit atteignable. Console reliquat. Ça a créé un nouveau passage. Je pense que c'est par là qu'il faut passer. Les observateurs se dirigent droit sur nous. Tiens donc. Ah putain, arrête de faire ça. Je passe tellement à travers que je me fais avoir. Ok, Edin. C'est génial quand elle se téléporte sur des ennemis volants, quoi. La fille, elle a des couilles. Allez, donne-moi ton bouclier. Apparemment, l'œil rouge, c'est vraiment ce qu'ils aiment pas. Hein. Je crois que c'est cette plateforme-là. Il faudrait que j'aille. Je sais pas du tout comment l'atteindre. Je viens de voir une dizaine d'observateurs voler autour d'une cascade, comme une volée d'oiseaux. C'est pas croyable. Ils vivent vraiment ici. On va pas les déranger très longtemps. Mais un petit moment quand même, hein. Vous verriez les données que je récolte. On a déjà descendu deux puits de gravité, et ça s'enfonce encore. Qu'on va trouver tout au fond. Pas okay. De mauvaise surprise, j'espère. J'ai pas l'impression d'aller dans la bonne direction. Bon, et ça, où est-ce que ça mène? Ah! Là, ça ressemble un peu plus à la bonne direction. Ok. Bon, mais non, il va falloir que je remercie après l'épisode. Parce que même s'il aura duré 3 plombes. Ryder, j'ai trouvé. Je crois que cette relique sert à stocker.
bien. D'accord, c'est une grosse clé USB. D'autres... Graphite. D'accord. Relica par ici. Et de 1 apparemment. Non, non, tu t'en vas pas. Hop. On va pas non plus. Ok, je voulais le geler pour voir si ça marchait avec les boucliers, mais apparemment... Soit j'ai pas réussi justement à cause de ces boucliers. Regardez-moi tous ces blocs de données. C'est quasiment une bibliothèque. Vous rigolez ? Je l'ai sous les yeux en ce moment même. Putain. Merde. Fâche. Pourquoi je suis partie de l'autre côté ? Ah, c'est pas de bol. Importante corruption des données détectées. Il reste quelque chose ? Une référence possible à EOS. Et un terme qui peut signifier... Glyph. Cool. J'ai obtenu un glyphe. Corruption okay. Des données. Traduction impossible. Oh, conteneur. C'était ça ? Je bouge. C'était juste ça ? Oh, d'accord. Ok. C'est bizarre ce symbole. D'accord, il manque un glyphe. Ok. Je crois qu'il nous faut plus de glyphes. Ah bah oui, là, juste là. Ok. Ah, d'accord. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il m'a dit tout à l'heure, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'il m'a dit lui, c'est un puzzle, encore. D'accord. Ok. Donc, effectivement, ça peut être que celui-là. Là, ça ne peut être que le CCD. Ce que j'appelle moi un CCD. Là, ça peut être que le A. Là, ça ne peut être que le E. Et là, je suis coincé, du coup. Là, ça ne peut pas être le A. Là, ça ne peut pas être le A. Là, ça ne peut pas être le E. Donc là, ça peut être que le C. Là, il manque le CCD et le truc bizarre. Là, ça ne peut pas être le CCD. Donc là, c'est le truc bizarre. Là, c'est le CCD. Donc, du coup, là, c'est forcément... Le truc bizarre, et là, c'est forcément le A. Fou ! Je suis bon au Sudoku. Interface validée. C'est parti. Polymère reliquat, 94, d'accord. Valeur élevée, d'accord. Ok. Je croyais que ça allait de l'équipement. Je suis un peu déçu. Ah, propulseur reliquat. Ah non, même pas. Ah, je suis un peu déçu. Ok, c'était juste ça. Bon. Bah, si tu me diras, maintenant que je pense avoir trouvé la chose, tu me diras si c'est bel et bien ça dans les coms. Parce que je pense pas que je vais pouvoir te la décrire correctement, me connaissant. Wow. Spoiler alert, c'est là qu'on va. Imaginez cet endroit rempli de gens. Il y aurait assez de place pour tout le Nexus. Ouais, tu les mets où les maisons ? On dort par terre ? Qu'est-ce que tu... Hein ? Je veux... Ah bah bien. Rien ne lui plaisait plus que l'inconnu. Un de ces jours, Sarah pourrait venir exploser. Rien ne lui plaisait plus qu'une inconnue. What ? Ouais, ouais. C'est bien ce que j'ai dit. Bon, par contre, on doit être pas loin d'une heure d'épisode, là. Genre, je crois qu'on a 50 minutes. C'est la dèche. Excusez-moi, parce que je suis obligé de faire clignoter l'écran, parce que sinon, je ne vois pas ce que je fais. Tout bêtement. On regarde aussi, il y a une porte là. Ouais, mais effectivement, j'ai peut-être pas forcément envie de l'ouvrir. Il y a l'air d'y avoir des tensions dans cette porte, si je puis dire. Je peux pas l'enlever celle-là. Ah, hein. Conteneur. On va faire le grand saut alors. Hein. Ah bah attendez, il y en a une ici. Faisons pas les cons. Passer. Wow.
Le suicide. Ah, hors de portée, d'accord. Sinon ça vous plaît les filles d'y aller comme ça en mode YOLO ouais. Pas, hein, ça marche pas. Hein. C'est trop loin, même pour les micro-propulseurs. Voilà, parfait, on l'a eu. Fou. Une grosse couille. Ok. Ah, oh, mais c'est pas justement les premières images qu'ils nous avaient montrées. Oui bah c'est trop loin mais il y a une console juste devant alors je sais pas ce que tu... Ce que tu nous chies. Andromède, le seul endroit où on peut marcher dans les airs. C'est une bonne pub, je confirme. C'est bel et bien une pyramide en face en plus. Conteneur. Munition antigrave. Je pourrais l'utiliser mais pour l'instant je sens pas le besoin de l'utiliser. Certes, le jeu est pas forcément le plus simple, mais toute la plateforme résonne sous l'effet de quelque chose. Quelque chose qui est écrit en italique. Ok. Tiens, ça me rappelle vaguement quelque chose, ce principe. C'est le cœur du caveau. Ouais. Je n'ai jamais rien vu de tel. Qu'est-ce que c'est ça? Ça n'existe pas, selon Sam, cette chose n'existe pas. Sûrement la console responsable du verrouillage. Donc ici on est bon. Bon bah tant pis. Allons-y. Faisons péter les choses. Bonjour. J'aime le rouge mais pas à ce point. Rappuie. Oh. Il nous faut la... Une idée Sam? Objet inconnu qui semble lié au verrouillage. Une étude approfondie pourrait nous en dire davantage. Le verrouillage du système est désactivé. Le caveau et le processeur d'atmosphère devraient être opérationnels. Dak. Ryder, vous avez réparé le système, hein? Bah ouais. Tout s'allume. Les capteurs d'énergie sont en train de péter les plombs. Waouh. Les mesures sont vraiment hors normes. Fais gaffe autour de toi. Mais si ça fonctionne normalement, on devrait pouvoir... C'est quoi ces ténèbres? Ryder. Courez. Quoi? La fuite. C'est l'heure de la fuite. Ah, c'est bien le seul moment où on a vu un couloir. Scan. Je peux pas? Wouh! Attention! Les conduits de ventilation! Ok, il a pas voulu se téléporter cette fois-ci. Ok. Ok. Trop loin pour sauter. Vous avez un autre pont sous la main? Oui, je suis dessus. Cours! Plus vite! Ça va nous rattraper! Ah, y'a de l'eau là! J'avais pas vu. Allez! Ah! Est-ce que ça peut vraiment nous rattraper? Je commence à avoir un doute. Oh oui! Off! Vous avez vu comment ça a ralenti au dernier moment? Mais je fais quoi, moi, maintenant? Ryder, il me semble judicieux de prendre la fuite. Ouais, vous voyez? Merci, Sam, je sais. Donc, vous retournez pas, sinon ça va être rigolo à regarder. Vous voyez, ça a mis une demi-heure à se rejoindre, alors qu'en fait, en vrai, ils étaient normalement. On ne sait pas où ils mènent. Ça nous éloigne d'ici, c'est tout ce qui compte. C'est pas faux. Allez, on y va, on se casse. Derrière.
Et bah apparemment je suis tout seul à remonter. Adieu les filles. Désolé. J'aurais aimé avoir des relations un peu moins boulot. Récupérer l'objet ouvert. C'est la porte qui mène à l'entrée. On y est presque. Tout prendre, ok. Fuir le caveau. Allez, allez. Éliminer les radiations atmosphériques, fuir le caveau, propulseur reliquat, tout ça, tout ça. Module 2, machin, je sais pas quoi. Niveau 7, ok. Vous êtes loin ? C'est, il y a... Vous voyez, là, il manque une musique. Par exemple. Là, il manquait une vraie musique. Flippante. De stress. Et... Ça manque. On entend un tout petit bout de... Un très très fond, très léger... Et là où ça casse encore plus, c'est le fait qu'il n'y ait pas de. Merde, c'est verrouillé. De véritable. Bon. Vous voyez, elle va bien niveau. Niveau foi. Appuie sur le bouton. Lequel, je sais pas, mais. La console tente de se reconnecter à la surface. Quel homme courageux. Le redémarrage du caveau est terminé. Ok. C'est pas flippant du tout. On peut dire que c'est pas passé loin. C'était quoi ça? C'était quoi? Ce chant. C'était un piège, évidemment. Je suis pas sûr. Une réaction immunitaire? Ouais, peut-être. Ou un plutôt. Dernier balayage avant de démarrer. Cet endroit est plein de surprises. C'était dingue. Parce que vu que le nuage accélérait, freinait. La réactivation d'un énorme caveau mystérieux. Beau boulot. Merci. Le processeur d'atmosphère est activé. Récupération de l'activité récente. Elle est dynamique, cela dit. Rigolote. C'est ça le secteur Eleus ? Ouais. On est là. C'est Eos. Regardez ça. C'est parce qu'on a redémarré le système ? Si cette lumière, c'est nous, tous ces points pourraient être des caveaux dans d'autres mondes. Inactifs, comme celui-ci. D'accord. Possible. Mais pourquoi est-ce qu'il y en a tout un réseau? À quoi est-ce qu'ils peuvent bien servir? On peut être sûr de rien, mais à faire des choses incroyables, sans doute. Cette technologie peut créer des observateurs à partir de rien, détruire des planètes, et on n'a pas tout vu. Voilà. Les robots, les plantes qu'on vient de voir, les processeurs d'atmosphère... J'ai travaillé pour une équipe du Conseil qui ensemençait l'atmosphère d'une planète glaciaire pour faire fondre ses calottes. Pour que la vie soit possible. Le premier processeur qu'on a vu faisait le contraire, mais c'était peut-être une défaillance. C'est ça qu'ils essayaient de faire? Rendre ces mondes habitables? Et même terraformer un secteur entier? Hé, hey, regardez. Intéressant, cela dit. Hein. Il est pas pareil. Il est peut-être actif? Faut qu'on aille voir. Sam? Extrapolation. Ces coordonnées sont situées hors de la zone actuellement cartographiée pionnier. D'accord. Note-les sur nos cartes. Il nous faut plus d'informations. Intéressant. Regagnons la surface. Je crois que j'ai besoin de prendre l'air. Ouais, moi aussi, parce que finalement, c'est pas la folie, hein. C'est pas la folie. Bâtisseur de monde. Faites détonner un ennemi en feu pour déclencher un combo. J'ai pas eu le temps de lire, parce que le symbole est très bizarre. Faites détonner. Boum. Quoi? Aucun processeur d'atmosphère n'est si rapide. Si nous nous fions à cet effet, pionnier, l'air et l'humidité devraient considérablement s'améliorer par la suite. Et donc la vie. Hein. Serait viable pour un avant-poste. C'est une occasion à saisir. C'est un bon départ. C'est exactement tout ce dont on a besoin, tout ce qu'il nous faut pour s'installer. Cette technologie pourrait être la clé de notre survie, à condition qu'on arrive à la contrôler. Vu sa puissance, il vaut mieux qu'on soit prudent. On a une piste. Sam a noté ses coordonnées sur nos cartes. Ce site est actif là-bas. Qui sait ce qu'on va bien pouvoir y trouver? Qui ça, on? Vous voulez venir aussi? Bah oui. Savoir plus sur ces. Je m'étonne. Et vous avez la clé de leur technologie. C'est ça, c'est depuis le début, c'est ce qu'il nous dit. Ça marche. Bienvenue dans l'équipe. On vous donnera un joli autocollant pour mettre votre nom sur votre couchette. Il me faut juste un petit casier. Datapad, brosse à dents, culotte propre, c'est bon. Ok, je vous rejoins plus tard.
Non, non, c'est pour moi, il y a... Elle a l'entrain, vous savez, elle a l'envie de rechercher des choses et d'améliorer tout ça. Du coup, pour moi, c'est ce qu'il y a de très très bon. Occupons-nous de notre nouvel avant-poste. Ok. Vous avez déjà identifié un site idéal. Ouh ! Ajouter. Je préviens le tempête. Tu te calmes. C'est ce trépigne d'impatience, Ryder. Les modules sont parés au départ. Vous avez gagné un point de module. Alors, de stade. Parti. Mais arrêtez avec vos conneries de... Des machins qui font des choses bizarres. Bon. Bon. Extraction, chers amis, on retourne sur le vaisseau. Et on va se laisser là pour cet épisode qui aura duré bien assez longtemps. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam. J'aurais dû te demander si tu veux bien que je mette ton pseudo dans la vidéo, donc je vais pas le dire. Donc tu te retrouveras de toute façon. Tu me dis dans les coms si c'était bel et bien la bonne chose à faire, la chose à trouver. Et on se retrouvera, nous, chers amis, entre nous, pour d'autres aventures, donc dans 2 jours, normalement, donc pas demain, mais après-demain, pour la suite de cette aventure. Salut les gens!